Ça y est, il a remué. Laissez-le moi 2 minutes et je vous le mets debout comme un grand, moi. Professeur Hardy Petit, guili 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 Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est moi, professeur. Théo Courant. Théo? Ah oui, Théo, le fiancé de ma petite Clara, mon cher petit Théo. Vous voyez, il a oublié que vous êtes un traître. Oh zut, c'est grave, ça. Professeur, vous me reconnaissez? Oui, mon Théo. Embrasse-moi, mon petit. Mais non, professeur, vous trompez, je ne suis plus votre petit. Mais si, je te reconnais, Théo. C'est toi que Carole aime, mon fils. Mais non, professeur, je vous ai trahi, rappelez-vous. Toi, trahir? Oh, impossible. Oh, mais c'est terrible, ça, il a tout oublié. Je vous l'avais dit. Allons, professeur, je suis Théo, le traître, le vendu. Mais non. Mais si, je suis passé du côté des babus. Oui, pour avoir à boire, pour avoir la vie sauve. Je suis un ignoble individu. Embrasse-moi, mon petit. Oh, mais vous ne devez pas m'embrasser, professeur. Vous devez me cracher au visage. Oh. Je vous ai trahis tous. Carole, la première. Ma fille ne peut pas se tromper. Il est têtu comme une mule. Je le descends, patron. Oh, il faut absolument qu'il se rappelle, sinon il est sans utilité pour nous. Mais... Je vais le gifler, c'est le seul moyen. Professeur. Oui, mon petit bonhomme. Regardez-moi bien en face. Ah, c'est que je ne me sens pas très bien. Ah, eh ben, tenez. Ah, oui. Ah, merci, Théo, mon brave Théo. Oh, je te reconnais bien, toujours attentionné. Tu as vu que j'allais m'évanouir, alors tu me tapotes la figure pour faire circuler le sang. Mais non, vieille bourrique, c'est une paire de claques. Comment tu m'appelles, vieille bourrique? On ne m'a pas dit ça depuis que j'étais étudiant. Tu aimes les claques? Eh ben, en voilà 2 autres. Bravo. À mon tour, maintenant, tiens. Allez. C'est bien, lui, là. Allez, à toi, mon petit Théo. Tape. Vas-y, tape. Allez, farceur. Alors, non? Décidément, il est complètement siphonné. Venez, Claquemuf. Allez, viens, Grougnache. Oui. Pauvre professeur, je vous comprends, allez. Votre vieux crâne n'a pas résisté à toutes les émotions. Quelle tristesse, quelle honte. Mon cher Maurice, mon vieux crâne est plus solide que le vôtre. Quoi? Je crois que dans la scène de la folie, j'aurais pu décrocher un deuxième accès site au conservatoire. Non? Quoi? Comment? Non mais vous, professeur. Je crois que c'est un bon moyen pour gagner du temps. Et du bon temps. Vous simulez la folie? Oui, Maurice. Et nous n'avons pas fini de nous amuser, je crois. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.